Bon mardi, mesdames et messieurs. La crise du logement s'intensifie au Nouveau-Brunswick et les appartements se font de plus en plus rares. Les fraudeurs en profitent. On vous fait entendre ce midi le témoignage d'une femme qui en a subi les conséquences. Mylène, la professionnelle du milieu de la santé, voulait venir s'établir à Edmundston. Oui, c'est exact. Hier, j'ai pu rencontrer Raymonde Robichaud, qui travaille en psychiatrie présentement à l'hôpital de Campbellton. Elle avait décidé au printemps dernier de changer de région en postulant pour un poste en psychiatrie ici à l'urgence de l'hôpital régional d'Edmundston. Mais elle a dû renoncer une première fois à ce poste car c'est quasi mission impossible pour elle de trouver un loyer convenable et abordable. Mais en continuant ses recherches pour pouvoir commencer son travail dès la fin du mois de novembre, elle est tombée sur le logement qui avait tous les critères à quelques minutes de l'hôpital sur les médias sociaux. Donc elle avait pu garder sa place à l'urgence. Alors, pour être certaine d'emménager, elle a donné un acompte qui représentait le premier mois de loyer. Il faudrait réserver au moins 500 pièces de dépôt. Mais après ça, elle demandait d'avoir le plein montant, comme si c'était 500 $ pour le dépôt puis 500 $ pour le loyer. Ça fait, j'ai dit, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, dès que le virement a été effectué, cette fausse propriétaire n'a plus jamais répondu à ses appels et messages. Et même si l'appartement existe vraiment, il est déjà loué depuis bien longtemps. Et pour la deuxième fois, finalement, elle a dû renoncer à son poste à l'urgence et elle a décidé de rester à Campbellton. Vraiment déplorable. Merci, Mylène. Je vous en prie, au revoir. Un autre type de fraude a été observé d'ailleurs à Edmundston. Un individu se fait passer pour un bénévole de l'atelier Radeau, le fraudeur, qui est allé cogner aux portes de plusieurs résidences hier soir. Il prétendait amasser des fonds pour la banque alimentaire. Plusieurs plaintes ont été déposées à la force policière. L'atelier Radeau rappelle qu'il ne fait pas de porte-à-porte pour amasser de l'argent ou des dons. Les policiers demandent aux citoyens donc de les contacter s'ils sont interpellés par le suspect pour leur donner une description de l'individu. Les changements observés à la direction de l'ITAC provoquent encore une fois de l'incertitude à la Pocatière. L'avenir du campus qui soulève des questions, et Marie-Pierre, l'ancien directeur général de l'établissement, se dit préoccupé. André Simard a soulevé ses nombreuses interrogations, Catherine, dans une lettre ouverte qu'il a publiée dans le journal Le Placoteux. Une lettre adressée en fait à Alain Chalifoux, qui est le président du conseil d'administration. Ce qu'il faut savoir, Catherine, c'est que le départ de la directrice générale, Aïcha Issa, a soulevé de nouveaux questionnements de la part de M. Simard. Celui-ci réclame en fait une direction locale ici au campus de la Pocatière parce qu'il dit que de diriger une école à distance, eh bien, ça représente un lot de défis assez important. Monsieur Simard considère aussi la mise sur pied d'un comité vigilance pour suivre de près le campus de la Pocatière et aussi d'interpeller la haute direction de l'ITAC en temps et lieu. Les directions de campus ont été abolies. Et moi, je considère que c'est une erreur d'avoir fait cela. Et on est deux ans plus tard et je considère qu'ici, à la Pocatière, le conseil d'administration, dont son président, que j'exhorte à considérer vraiment la pertinence d'en profiter pour doter le campus de la Pocatière d'une direction locale. On va s'entretenir cet après-midi, Catherine, avec le maire de la Pocatière. Il s'appelle Vincent Bérubé et celui-ci a des interrogations quant au changement de direction, mais aussi dans la façon dont le campus, oui, de la Pocatière est représenté. Alors, on vous revient avec plus de réactions dans nos reportages de 18h. Dossier à suivre. Merci, Marie-Pierre. Au revoir. On revient maintenant sur cette tour de télécommunication qui dérange la Malbaie. Les citoyens et la ville demandent maintenant conjointement son démantèlement. La structure a été érigée, on vous le rappelle, sans qu'il y ait avant de consultation publique. Le ministre François-Philippe Champagne qui est maintenant interpellé. Jérôme Gagnon. Opposé déjà à cette tour de la compagnie Radio Minipage via une première résolution, la ville de la Malbaie est allée encore plus loin hier soir. Le démantèlement de la tour représente la seule option. Cette deuxième prise de position sera transmise aux autorités fédérales dans le cadre du processus de consultation publique en cours. La Malbaie compte également discuter auprès du ministre concerné. Est-ce que c'est la façon que le ministre et son ministère veulent que les choses se passent au Canada? Je pense pas qu'il faut que ça se repasse comme ça. C'est une petite victoire pour les citoyens présents en grand nombre à la séance publique. Or, le combat est loin d'être gagné selon eux. Ils continueront de mettre de la pression. On s'attend à ce que M. le maire
appel, puis suivre le dossier avec un calendrier. Sinon, ça va être long, puis ça risque de tomber dans les oubliettes. Il demande, entre autres, l'ajout de réglementations entourant les tours de télécommunications sur le territoire. Moi, je pense que si on avait eu ce règlement-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et la ville n'est pas fermée à l'idée. Pour des sécurités, pour des besoins d'une communauté, d'une population de communication, même si une ville a un règlement, c'est le gouvernement fédéral qui prévaut. Alors, on peut bien faire des règlements, mais si des règlements ne servent à rien, il faut y penser. Et cette tour, rappelons-le, fait beaucoup de bruit. Justement, une pétition citoyenne accumule jusqu'à présent 1000 signatures. Je pense que la stratégie des gens est claire, c'est de titiller suffisamment les oreilles du ministère et du ministre pour dire qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là et jeter un coup d'œil vraiment rapidement là-dessus. Monsieur le ministre doit comprendre que c'est une tour qui est non souhaitée, qui est non acceptable. Puis seule la démolition, le démantèlement est la solution qu'on s'attend. Jérôme Gagnon, CIMT TVA, La Malbaie. Et on passe à une autre séance du Conseil, celle qui se déroulait à Saint-Antonin hier soir. Elle a été particulièrement émotive. Une cinquantaine de citoyens ont assisté à la réunion qui a duré près de 3 heures. Et Alison, bon, ils étaient là pour dénoncer la fermeture du centre de services des Jardins. Oui, et toutes les questions concernaient ce dossier. L'ancien président de la Caisse, Christian Pelletier, était d'ailleurs présent à cette séance du Conseil et tenait à rappeler aux citoyens, là, finalement, que personne ne serait laissé pour compte. Une fois la séance terminée, la discussion s'est même poursuivie dans le stationnement. Toutes les personnes qui sont autorisées à Saint-Antonin à faire la job, ils ont toutes été transférées à Rivière-du-Loup. Après ça, ils viennent nous dire qu'il n'y a plus d'achalandage. Ben oui, vous avez pris le monde c'est qui ça. Était là, puis ben oui, on ne peut pas les voir là. Monsieur Plour, c'est parce qu'il y a peut-être juste 5 10 % des membres qui voulaient être servis à Saint-Antonin. Fait que là, la conseillère, on ne peut pas l'asseoir là, puis qu'elle ne fasse rien. Puis mettez-vous dans un contexte aussi là, de travailler juste deux là, d'un endroit, là. C'est pas la même dynamique, c'est pas le fun. Je pense qu'on a le côté humain qui doit ressortir, puis qu'il faut qu'on les aide, ces gens-là, puis d'avancer positivement. Parce que si on se donne la main, moi, j'ai toujours dit qu'il y a toujours plus d'idées dans deux têtes qu'une. Le monde a bien répondu. C'est ça qu'on voulait. On est heureux de ça, là. On n'a pas à laisser passer autant les gens. Mais je me mets à leur place, puis qui s'est chargé à cause qu'ils perdent leur caisse, je les comprends. Bon, les citoyens qui ont demandé à la ville d'intervenir. Oui, tous demandaient de l'appui pour garder leur caisse. Ils étaient prêts même à faire des sacrifices, d'avoir une caisse que quelques jours, semaines, ça leur conviendrait. Et près de 2000 personnes ont signé cette pétition jusqu'à présent, pétition qui a été déposée et qui circule toujours dans divers commerces. Le maire se défendait, disait que la municipalité ne peut rien faire, qu'elle a les mains liées. Et je terminerai en vous disant qu'il y a d'autres points qui ont été soulevés, notamment ce qui a trait au climat toxique à la ville et la situation d'intimidation. On vous en parlera ce soir au bulletin de 18h. Merci, Alison. Au revoir. La chronique spectacle, une présentation de Bâtitech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Silence plateau! Ce qu'on vient de voir, Francis, c'est tiré des éditions antérieures du concours Ville et village en images, une initiative qui est reconduite pour une 9e année. Un projet qui s'inscrit dans l'ADN du festival Vue dans la tête de, qui depuis 2016 invite les résidents des 13 municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, de même que les organisations à but non lucratif, à former une équipe de 3 à 5 personnes, puis à soumettre en ligne une idée de scénario. Parmi toutes les propositions reçues d'ici le 8 décembre, 4 seront sélectionnées et feront l'objet d'un tournage cinématographique en janvier, alors que la diffusion devant le public se fera le samedi 17 février. Bien que tous les genres soient acceptés, il est toutefois important que les courts-métrages reflètent l'identité territoriale. En fait, nous, on demande aux gens de ne pas être cinéastes, mais d'avoir juste une idée. Comme je dis, vous avez le contenu, nous, on a le contenant. On va chercher des groupes de citoyens, des organismes sans but lucratif, les gens de la municipalité, parce qu'avec Mélanie Milot, qui est à la MRC, elle, c'est le territoire. T'sais, c'est comme, il y a du beau monde, puis il faut le voir. Les sports, une présentation de Meubles Tardy, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles Tardy, pour le meilleur et pour le prix.
Le Blizzard d'Edmundston traverse sa période la plus difficile de la saison. Il n'a pas été dans le coup en troisième période vendredi. Il a vu ses adversaires de Miramichi marquer 3 buts sans riposte pour quitter le Centre Jean d'Aigle avec une victoire de 4-1 en poche. L'aréna était bondée pour l'occasion avec la présence de près de 2400 spectateurs. C'est la première fois de la saison que l'équipe entraînée par Simon Olivier perd un troisième match consécutif. T'as des joueurs qui jouent plus qu'ils devraient jouer, t'as des joueurs qui sont pas dans la bonne chaise. C'est comme moi, ici, mon poste, c'est d'être entraîneur-chef. Demandez-moi pas d'être président de l'équipe, je suis pas qualifié pour ça. Donc, tu sais, quand on demande à des joueurs de jouer dans des chaises qui sont pas nécessairement confortables où ils devraient être, bien, c'est sûr que ça rend la tâche plus difficile. Ceci dit, on n'a pas perdu toutes les parties nécessairement à cause de ça. Dernièrement, notre niveau de compétition il est pas assez élevé, puis on a travaillé là-dessus les 2 dernières semaines. Et malgré les insuccès des Trois à la Rivière-du-Loup, les amateurs répondent présents. Une importante hausse des assistantes est remarquée dans des assistances, dis-je, est remarquée dans toute la ligue nord-américaine. Les Rivières-du-Loup ne passent pas inaperçus. On aura des chiffres pour vous ce soir. La météo, une présentation d'Accent Meubles et Déco Centre Levasseur. Francis, on pourra avoir des percées de soleil aujourd'hui et ça devrait se poursuivre dans les prochains jours. Oui, nous avons le soleil et on aime ça, Catherine. La tendance des prochaines heures, c'est que l'anticyclone travaillera pour nous à certains endroits pour repousser les systèmes au loin. Cependant, il y a une bande résiduelle du précédent système en provenance du nord-ouest qui passe sur certains secteurs sous forme de grisaille. Aussi, le passage d'un front chaud, ça va faire grimper légèrement les mercures. Il y a des percées de soleil aujourd'hui, oui, mais petite possibilité de flocons de neige sur la Rivière-du-Loup. Et sinon, à certains endroits, sous forme de précipitations mixtes, des mercures qui sont quand même assez stables, entre moins 2 et ça va jusqu'à 2 degrés. Maintenant, ce soir, on prévoit un ciel généralement couvert un peu partout. Ce sera un peu plus dégagé sur Edmundston. Des températures qui, minimum de nuit, qui varient selon le secteur, c'est un peu plus frais du côté d'Edmundston. Ça va de moins 11 degrés et jusqu'à moins 1 degré. Maintenant, demain, ça va être une journée mi-ombre, mi-lumière selon le lieu. On prévoit un ciel généralement couvert sur Edmundston, Rivière-du-Loup et ce sera gris sur la rive nord du fleuve Charlevoix, également de l'autre côté de la rive sur Saint-Jean-Port-Joli. Mais on remonte un peu dans le positif, alors avec des mercures qui se situent entre 1 et 6 degrés dans le positif. Rapidement, au long terme, on va voir que sur Rivière-du-Loup, il y aura quelques systèmes qui passeront. Ce sera vendredi sous forme de pluie, ensuite ce sera ensoleillé. Même chose sur Charlevoix de votre côté, c'est un copier-coller et on termine maintenant sur Edmundston. Possibilité de neige jeudi et samedi. Alors voilà. Merci Francis. Bonne journée. Alors voilà, passez un bel après-midi.